Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les routes du Burkina. Nous sommes bel et bien à Dédougou, la cité du Bangui, pour l'arrivée de la deuxième étape du Tour cycliste international du Faso, 33e édition. Et je suis avec mon consultant permanent. Il s'agit de Boubacar Tao. Boubacar Tao était le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est un spécialiste de cyclisme et il est avec nous. Monsieur Tao, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes là pour encore parler de l'arrivée de cette deuxième étape du Tour cycliste international du Faso. On a pu voir l'arrivée hier à Bobo-Dioulasso avec la victoire de notre très cher ami belge Rutger Wouters qui a remporté en tout cas au sprint cette première étape. Et aujourd'hui, c'est la deuxième étape. Déjà, au classement général, c'est le Belge qui arbore donc le maillot jaune. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport donc à ce classement général-là? D'accord. Pour commencer, il faudrait que je rappelle ou je informe le public le système des maillots. D'accord, parce allez-y. Les gens voient déjà qu'il y a maillot jaune, maillot vert, maillot rose. Rose des sprints intermédiaires. C'est-à-dire le maillot jaune, c'est celui qui a le moins de temps sur l'ensemble des étapes. Le maillot vert, c'est celui qui a plus de points sur l'ensemble des classements. Et maintenant, le maillot rose des sprints intermédiaires, c'est celui qui gagne le plus de sprint intermédiaire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, et par rapport à cela, Wouters Rutger, qui est arrivé en première position naturellement, a pris donc le maillot jaune, mais il a aussi pris le maillot vert. Et c'est exact. Puisque comme c'est la première étape, au même moment qu'il a il a mis le moins de temps, puisque ici, il est venu avec deux autres coureurs, mais c'est que le classement aussi donne des bonifications. Le premier a 10 secondes en moins, le deuxième a 6 secondes, et le troisième a 3 secondes en moins. Donc, par rapport à ça, c'est pour cela, lui a attribué effectivement le maillot jaune. Il a le maillot vert également, il est le premier au classement par point. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il porte les deux maillots. Il porte les deux maillots, mais ce matin, c'était donc le départ de cette deuxième étape entre Bobo-Dioulasso et Dédougou. Une étape longue de 183 km 200. Une étape qui va être très très difficile. On peut déjà voir les images du départ de ce matin depuis Bobo-Dioulasso où c'était vraiment très chaud. Et là-bas, on a vu que le maillot vert a été arboré, porté par l'Algérien qui lui est venu donc deuxième et naturellement il porte le maillot vert. Oui, c'est vrai, puisque comme le maillot jaune ne peut pas porter les deux maillots, donc on donne le maillot vert à celui qui vient en deuxième position. Puisque du point de vue classement, il a beaucoup de points par rapport aux autres. C'est le poursuivant direct du maillot jaune, du maillot vert. Donc, on lui donne pour qu'il puisse, puisque comme les partenaires, c'est là, chaque partenaire voudrait qu'on porte effectivement son maillot. Donc, c'est pour cela qu'on a remis le maillot vert au second classement général par point. Alors, on voit donc le départ donné ce matin du côté de Bobo-Dioulasso, la ville de Sia, où donc les équipes l'équipe était en train de se préparer déjà avec, vous le voyez à l'image, le mécanicien qui est en train de régler un peu les montures afin donc de donner le top du départ. Et chaque équipe, en tout cas, se prépare avec quelques séances d'échauffement des cyclistes. Et là aussi, l'équipe du Burkina, est-ce qu'on peut avoir une idée du Burkinabé le mieux placé et comment est-ce que le Burkina compte jouer donc cette deuxième étape là? Ok, par rapport à la première étape, en tout cas le capitaine Ilwudo Haruna est le mieux placé. Au départ de la course, il était à 5 secondes seulement du premier à l'arrivée,
Mais avec le trichement de bonification, il se retrouve à 14 secondes du maillot jaune. Et vous savez que une seconde peut être longue et petite à la fois. Donc Haruna Ilboudo est mieux placé. Ensuite, on voit Bachirou Nkima, on voit Domopol, Kone Suleiman. Voilà. Voilà les mieux placés pour le classement de la première étape. Alors ce matin, comme je le disais, le départ a été donné donc du côté de Bobo Gulasso et la caravane a commencé à s'ébranler vers la ville de Tédougou. Et là, on peut le voir, c'est vraiment un peloton qui a commencé à rouler tranquillement. On a pu l'observer jusqu'au kilomètre 25 où il n'y a pas eu vraiment grande chose. Plus après, M. Tao, il y a eu quelques tentatives d'échapper. Exact. Après cela, il y a eu, faut dire beaucoup, plusieurs tentatives d'échapper qui malheureusement n'ont pas abouti. Mais par la suite, on a vu qu'après le premier point chaud, il y a eu en tout cas une échappée quand même qui est partie jusqu'à 2 minutes. Voilà, suite, voilà. Je crois qu'avec le déroulement de la course, les choses seront commencées. Et à l'heure où je vous dis, le peloton en tout cas est éclaté en plusieurs groupes. D'accord. Puisqu'il y a eu une échappée, il y a eu des contre-attaquants et des autres également. Et il faut dire que même le maillot jaune était à l'arrière. D'accord. Donc le maillot jaune voilà, en danger. Et je crois qu'il s'est rapproché en prenant effectivement le groupe de contre-attaque pour se rapprocher de l'échappée. Alors qu'on voit les images de drone du départ donné ce matin et nous sommes toujours dans la ville de Bobo Dioulasso. Nous sommes à la sortie donc de la ville et la direction donc est prise vers la ville de Tédougou et nous pouvons donc voir le peloton qui roule tranquillement avec 80 coureurs qui ont signé donc au départ. 80 coureurs, ça veut dire qu'il y a deux qui ont dû abandonner, voilà, et parce qu'ils sont rentrés un peu en retard, on va dire. Donc il y a 80 coureurs ce matin qui ont pris le départ depuis Bobo Dioulasso et la direction de Tédougou. Vous l'aviez dit, il y a eu donc des échappés, ils étaient au nombre de 5, mais au nombre de 5, voilà, et les 5 sont l'Hollandais de Georgie Schultz et puis Adil Abraoui du Maroc, et Yassine Hamza de l'Algérie, Salifou Yerbanga du Burkina Faso et bien entendu Souleymane Kone du Burkina qui réussit, quoi qu'on dise, à mener tant bien que mal cette échappée. Alors, dites-nous, quand on fait une telle échappée avec une distance longue de 183 km, dites-nous un peu comment est-ce qu'on peut se comporter quand c'est comme ça. Bon, est-ce que l'échappée peut aboutir? L'échappée peut aboutir si toutefois dans l'échappée il y a des baroudeurs, il y a des rouleurs. En ce moment, ils forment un bloc comme les autres. Mais s'il y a une mésentente, alors effectivement, ils ne vont plus rouler et l'échappée se fait rattraper par le peloton. Je crois que l'échappée quand même est partie un peu très tôt. Mais vous savez qu'à partir de la première étape, chaque directeur sportif a effectivement mis une tactique au sein de son équipe, soit pour conforter son avantage, soit pour rattraper son retard. Donc c'est pour cela, ce matin au départ, on voyait des équipes qui étaient en stand de recevoir des consignes et on savait quand même que beaucoup de choses allaient se passer et dans cette deuxième étape, même si la réaction du peloton a été tardive, puisque ça a été après le point chaud que les coureurs ont commencé à réagir. Alors, il faut aussi signaler qu'il y a eu beaucoup de crevaisons sur cette voie. On a vu le Camerounais Abosolo Kamson Clovis qui a crevé, il y a pas mal de crevaisons sur la voie et ça aussi, ça peut compter aussi au résultat final. Ah oui, ça nuit beaucoup aux coureurs cyclistes parce que quand vous faites une crevaison, vous mettez plus d'efforts à retrouver le peloton après. Donc c'est de l'énergie gaspillée par rapport aux autres. Donc si un coureur est à l'abri des pannes,
il faut dire que quand même qu'il a un peu plus de chance de remporter quand même ou de faire un bon classement. Alors qu'on voit les images de drone que nous propose Salifou Belem, la belle cité du Bankui, cité du Bankui, entendez par là, la cité de la forêt. En tout cas, Bankui est fondée selon la légende par une famille Yamandé, le fondateur de la ville serait donc Koé Dayo au 15e siècle. Et il faut le dire, merci à Salifou Belem et à l'équipe de drone avec bien également Hussein Sawadogo et toute l'équipe. Et vous voyez cette belle image avec une belle verdure également pour cette arrivée, l'emballage final. C'est sur 500 mètres, on pourra voir en direct sur 500 mètres l'arrivée. Une ligne droite. Voilà une ligne droite et donc ça va être chaud, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça peut être un sprint massif ou avec l'échappée, avec les échappées, effectivement. On ne sait pas trop, mais toujours est-il que pour ce matin, les enjeux sont énormes. Effectivement, les enjeux sont énormes parce que les autres vont chercher à déclasser le Belge qui a une petite avance sur les autres. Et surtout qu'on a vu au cours de cette étape, il n'était pas dans le groupe d'échappée. Donc ça veut dire que déjà, il perd déjà son maillot en étant sur son vélo puisque... Et l'échappé avait 2 minutes. Voilà, on va 2 minutes, 30, oui. 15 d'abord au départ. Oui. Ensuite, je crois qu'ils sont à 1 minute 40, 45. Voilà. Oui. Oui. Donc, or, il avait une avance de 45 secondes par rapport à l'Algérien, le 113 qui a l'échappé. Et les autres sont à 51, ça veut dire qu'ils ont rattrapé leur retard, mais ils ont mis un temps sur le maillot jaune, qui veut dire que logiquement, le Belge perd son maillot jaune en étant sur l'étape Ploma. Si toutefois, en tout cas, il ne rattrape pas l'échappée pour l'heure. D'accord, on va voir le premier point chaud, disputé donc à Bekui, où on a vu l'arrivée donc de Hussein Sabraoui du Maroc, qui l'a emporté. Et puis il y a aussi Adou Alomine, privat de la Côte d'Ivoire, Alomine, ouais, c'est ça, Alomine, voilà. Et puis il y a Jari Traverse de la Belgique. Donc les trois premiers à l'arrivée donc à Bekui. Et là déjà, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que on voit le Maroc qui se positionne, la Belgique également, parce que remporter donc un point chaud sous-entend qu'il y a des bonifications. Qu'il y a des bonifications. Il y a des bonifications. D'accord. Le premier à 3 secondes, à 3 points, bien sûr, et puis 3 secondes en moins. Le deuxième à 2 secondes, le troisième à 1 seconde en moins, effectivement. D'accord. Non seulement il y a un point et un seconde en moins par rapport à leur temps. Et puis il y a eu le deuxième point chaud disputé à Kosso. À Kosso, on a vu la victoire de Yassine Hamza de l'Algérie, Jordi Sletez de la Hollande, voilà, qui est aussi venu deuxième. Et puis il y a Souleymane Kone du Burkina, voilà, qui est arrivé troisième. Dans l'échappée. D'accord. Et qui a 51 secondes de retard par rapport au maillot jaune. Mais du fait que Kone est dans l'échappée, déjà il a rattrapé son retard par rapport au maillot jaune, et avec la troisième place au point chaud, il a encore une seconde en moins par rapport à son temps au classement. D'accord, donc c'est tout bénéfice. Ça veut dire que le Burkina aujourd'hui est dans la bonne tactique, parce que lorsqu'on regarde l'équipe du Burkina dans l'échappée, le Burkina arrivait à placer deux coureurs dans l'échappée donc du jour. Cela sous-entend que le Burkina en tout cas a mis la bonne tactique en place. En tout cas, je crois qu'ils sont dans le dynamisme de gagner l'étape en glissant quand même deux coureurs cyclistes, pas les moindres. Il s'agit de Yarbanga qui est un bon rouleur, Kone qui est un rouleur et un sprinter en même temps. Et je crois que si l'échappée aboutit, on a une chance de faire première ou deuxième place. D'accord. Et on les souhaite
C'est le moins qu'on le souhaite, en tout cas pour cette étape. Oui, oui, bien sûr, le Burkina Faso qui attend de gagner donc une première étape quand même dans cette 33e édition du Tour du Faso. Bien entendu, parce que c'est quand même le Burkina qui l'organise. Et il faut déjà gagner une étape pour faire plaisir à tout ce beau monde, tous ces spectateurs ici donc au niveau donc de l'arrivée. C'est devant le conseil régional, et, voilà, devant le bâtiment administratif. Et je pense que il va falloir faire plaisir à tout ce beau monde et faire plaisir à l'ensemble des téléspectateurs de la RTB. La RTB au cœur des grands événements, la RTB qui est là pour vous faire vivre les grandes émotions de cette 33e Tour cycliste international du Faso. Alors qu'on revoit voilà, cette belle image de la ville de Dédougou. Ah oui, Dédougou, la belle. Oui, elle est belle. Merci à l'équipe de drones. Ah oui, très belle ville de Dédougou où on peut apercevoir de jolis bâtiments. Oui, le Burkina Faso est beau. Vous voyez l'horizon, tout est beau. Et c'est très bien. Et aussi, Monsieur Tao, on va signaler que ce matin, il y a eu donc la course cycliste féminine, deuxième étape. Voilà, après l'étape de Bourg-Glasso, remportée par le Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est l'étape. À la personne de Hulda. Voilà, aujourd'hui, c'est l'étape de Dédougou. Dédougou remporté par voilà, je me perds un peu dans mes papiers, attendez que je revoie un peu, voilà. Donc cette étape courue ce matin, de toutes les façons, c'est l'Ivoirienne qui a remporté donc cette étape. On va y revenir et on va dire qu'on peut voir les images déjà de cette course qui a été courue ce matin ici même à Dédougou, un circuit fermé et remporté donc par une Ivoirienne qui a remporté cette étape. Et c'est très bien de le dire parce que hier c'était le Burkina, aujourd'hui ce sont les Ivoiriennes. Certainement elles ont dû observer donc voilà, alors qu'on voit en image cette course féminine. Voilà, remporté par Reine Kouassi de la Côte d'Ivoire. Reine Kouassi de la Côte d'Ivoire qui a remporté donc cette deuxième étape donc de la course cycliste féminine. Et hier, il faut signaler que c'était Hulda Zongo de Burkina qui a remporté donc cette course. Et au classement général au point, après les deux étapes, nous avons la première, c'est Hulda Zongo de Burkina. La deuxième, c'est Reine Kouassi de la Côte d'Ivoire. Et puis troisième, Awa Bamogo de Burkina Faso. Troisième ex-écho, la Moussa Zungrana de Burkina Faso. Cinquième, Clarisse Bilgo de Burkina Faso. On voit que là aussi, c'est très disputé parce que ce qu'on peut dire, c'est que hier, il y avait donc le trio qui était burkinabé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive à prendre la première place. Cela sous-entend que les forces sont de plus en plus équilibrées. Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire reste toujours, en tout cas, un adversaire sérieux pour l'équipe nationale de Burkina Faso. Parce que à leur dernier confrontement, en tout cas l'Ivoirienne s'est beaucoup imposée. Donc je crois que les dames de l'équipe nationale du Burkina Faso sont déjà au courant du niveau de compétition de la dame de la Côte d'Ivoire. D'accord, il y a eu 16 partantes et nous sommes avec Raymond Kouassi. Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, ce matin, vous avez remporté donc cette deuxième étape de la course cycliste féminine. Explique-nous un peu quelle stratégie vous avez mis en place pour pouvoir remporter cette étape-là à Dédougou. D'abord, je tiens à dire merci à Dieu, car c'est grâce à lui que j'ai pu terminer cette compétition. Et voilà. Les filles burkinabées sont plus nombreuses que nous. Parce que nous, comme ça, nous de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus qu'à trois. Voilà. Et comment dirais-je, on était un moment, arrivé à un moment donné, on était obligé de faire plus d'efforts, de mettre le paquet. Voilà. Parce que quand tu roules avec des adversaires, surtout que tu es seul ou bien que vous êtes trois, vraiment, ce n'est pas facile. Quand ces personnes-là sont plus nombreuses que vous. Voilà.
aujourd'hui, ce que j'ai fait pour pouvoir gagner cette course, c'est de coller. Si tu prends la bonne roue, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu gagner la course. Je n'ai pas couru n'importe comment. Voilà, j'ai su prendre la meilleure roue. C'est cela que j'ai pu gagner. D'accord, vous avez pris la meilleure route. Je suppose également que l'objectif pour vous, c'est de remporter à la fin donc, de cette course-là qui en tout cas, se court à 4 étapes. Et il y aura l'étape de Tinkodogo et puis l'étape de Ouagadougou à l'arrivée donc, de Tour Cycliste. Je suppose que vous avez une stratégie pour aller chercher le maillot jaune des femmes. Bon, c'est sur le terrain qu'on voit comment est-ce qu'on doit courir. Sinon, avant même le départ, on met des stratégies en place. Voilà. Et quand ça ne marche pas, c'est en ce moment-là qu'on trouve d'autres choses sur le vélo. Donc, pour le moment, je ne peux rien dire sur ça. Voilà. D'accord. Alors, on va vous souhaiter bonne chance et puis vous souhaiter en tout cas tout le meilleur pour cette course cycliste féminine qui est une nouveauté de l'organisation du Tour cycliste international du Faso. On a greffé la course féminine pour essayer de donner un peu plus de projecteurs sur cette course féminine qui peine à décoller au niveau africain. En tout cas, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. On se retrouve à Tinkodogo certainement pour parler de cyclisme féminin. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Tao, vous avez vu la Côte d'Ivoire qui dit qu'effectivement, le Burkina Faso a beaucoup plus de coureuses dans le peloton et ce qui ne facilite pas la tâche à la Côte d'Ivoire qui n'a que 3 coureuses. Et hier, c'était compliqué. Aujourd'hui, elles ont essayé d'observer un peu et de surtout emprunter la meilleure voie pour arriver donc à gagner cette étape-là. Oui, il faut dire que le sport cycliste est d'abord un sport individuel. Le nombre ne compte pas plus mondialement. Parce que vous avez vu en 87 où les Russes étaient 5 seulement et le Burkina Faso avait 3 équipes de 6 et nous ont dominé. Mais je crois que l'équipe ovarienne a su mettre une bonne tactique aujourd'hui par rapport à l'étape d'hier. Je crois que c'est ça qui leur a permis de gagner l'étape. Voilà. D'accord. Il faut signaler que cette course féminine s'est courue sur 50 km et le temps mis c'est 1h21min59s et la vitesse moyenne est de 36 km 500. Voilà. Parraine Raymond Kouassi de la Côte d'Ivoire arrive première, suivi de Awa Bamogo du Burkina Faso. La Moussa Zourana est arrivé 3e. Oulda Zongo, vainqueur hier, est arrivé 4e. Rukieta Ouedraogo de Burkina est arrivé 5e. 6e, Clarisse Bilgo. 7e, Elisabeth Consega. 8e, Ren Guissou. 9e, Nafissa Toutendrebego. Et 10e, Fiana Bama Soulama de Burkina Faso. En tout cas, c'est vraiment une course bien emballée. Aujourd'hui, on va parler maintenant de l'arrivée donc, de la 2e étape du Tour cycliste international du Faso homme, où en tout cas c'est très disputé, où on se rend compte qu'il y a un grand coup que le Burkina pourrait jouer donc pour cette 2e étape. Il y a également l'Algérie, il y a également le Maroc et aussi pourquoi pas la Belgique, Hollande, voilà. Oui, la Hollande également. Voilà. Donc ça veut dire que à 25 km de l'arrivée, qu'est-ce qui peut se passer véritablement? Bon, véritablement, si effectivement l'échappée ne se fait pas, si l'échappée ne se fait pas, en tout cas rattraper, je crois que la victoire va se jouer parmi ces coureurs du groupe échappé. Et vous savez que dans ce groupe, il y a 2 Burkinabés, à la personne de Yarbanga et de Koné, en tout cas qui sont des leaders au sein de cette équipe nationale. Bien sûr qu'il y a l'Algérien, le 113, qui est le mieux placé avant le départ. Mais je crois que les autres, en grignotant, en prenant des classements au sprint intermédiaire, ont pu grignoter des secondes pour diminuer un peu leur temps. Donc, si véritablement l'échappée ne se fait pas rattraper, c'est l'échappée effectivement qui va nous donner les différents classements à l'arrivée par rapport au peloton. D'accord, alors il y a un monsieur qui nous a rejoint, il s'agit de monsieur Mamadou Diallo, superviseur général du Tour cycliste international du Faso. Monsieur Diallo, alors dites-nous un peu sur l'ensemble des 2 étapes, déjà même si on n'a pas encore achevé la 2e étape, vous en tant que superviseur, quel constat peut-on faire déjà? Oh, merci bien au service de la presse. Ce que je peux dire, c'est que le tour se passe merveilleusement bien.
C'est vrai qu'au départ, il y a eu un peu de difficultés dues à l'énorme logistique qu'on devait déployer sur les pics de Sendou. Mais bon, l'un dans l'autre, tout est rentré dans l'ordre. On a assisté à une très belle arrivée à Bobo. Même si c'est avec un peu de pincement de cœur, parce qu'on attendait quand même voilà, un Burkinabé. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'on voit que je crois que les techniciens disaient que c'est autour de combien de secondes, c'est en termes de secondes, hein, que le Belge Wouter Rutger a pris le maillot jaune. Là, on nous annonce également que avec cette étape de Dédougou, on a deux Burkinabés dans l'échappée, Yerbanga et puis Kone. Donc c'est avec vraiment un motif de satisfaction que nous passons les premiers moments du Tour du Faso. Et ce qu'il faut dire, c'est mention spéciale à la sécurité. Jusque-là, nous savons tous le contexte dans lequel nous organisons le Tour du Faso. Jusque-là, vraiment tout se passe merveilleusement bien, grâce aux forces de défense et de sécurité. Aucun incident. Ça, c'est vraiment la baraka qui nous accompagne. Voilà ce que je peux dire un peu pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Merci d'être passé sur ce plateau. Et on se retrouve tout au long donc, de cette compétition pour parler, évidemment, d'organisation, de supervision. Et effectivement, vous avez fait cadre de la sécurité, une sécurité en tout cas très bien maîtrisée, j'ai envie de dire, parce qu'on a pu constater, monsieur Tao, tout au long donc, du parcours, depuis donc, les pics de Sendou, jusque sur les routes de Banfora, jusqu'à Bobo. Et aujourd'hui, sur les routes de Dédougou, on a pu voir une sécurité, en tout cas, très aussi sérieuse qui a essayé vraiment de cadrer tout le circuit, et ça c'est à féliciter. Oui, c'est vrai qu'on voit, mais je crois voilà, c'est parce que c'est une sécurité même qui travaille quelques jours à l'avant même de l'étape du jour. Voilà. D'accord. En tout cas, on attend toujours en tout cas les gyrophares hein, des motards, parce que d'un moment à l'autre, on va assister à l'arrivée alors qu'on continue de voir grâce aux images de drones. Salifou Belem, merci. Merci beaucoup pour ces images splendides, ces images très belles de la ville de Dédougou. Je le disais tantôt, Dédougou, fondée par un certain Koé Dayo au 15e siècle. Et aujourd'hui, c'est une belle cité que nous avons, c'est une grande ville que nous avons. Et c'est ici que nous allons assister donc à l'arrivée de la deuxième étape du Tour cycliste international du Faso. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, ça fait plaisir parce que Dédougou, c'est aussi le grenier de Burkina Faso. C'est cette région, la boucle du monde, qui nourrit le Burkina Faso avec plusieurs périmètres aménagés pour, en tout cas, l'agriculture. Et ça, il faut vraiment saluer vraiment tout ce beau monde, le monde paysan. C'est aussi la boucle du coton. En tout cas, il faut saluer tout ce monde. Ouais, c'est ça. Dédougou, il faut dire que Dédougou a déjà un club cycliste affilié au niveau de la fédération depuis des années. Dédougou est le siège de la Ligue de cyclisme. Avec Tougan, il forme en tout cas une ligue. Donc c'est pour vous dire que c'est une ville cycliste également. Et Dédougou organise régulièrement des cours cyclistes, en tout cas au niveau de la ville. Donc c'est pour vous dire en un mot que c'est une ville cycliste. Donc c'est pas le fait du hasard que le Tour du Faso passe chaque fois à Dédougou. Et voilà, c'est pour effectivement aussi contribuer au développement aussi du cyclisme dans la région. En tout cas, un tout petit bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la RTB dans cette localité et dans tout le Burkina et même au-delà du Burkina. Vous êtes nombreux à suivre la RTB pour l'emballage final, l'arrivée finale de cette deuxième étape du Tour cycliste international de Faso. En tout cas, merci à vous, merci pour la fidélité. La RTB est toujours au cœur des grands événements et aujourd'hui, la RTB est là pour vous faire vivre vraiment les grandes émotions de l'arrivée donc du Tour cycliste international du Faso. Et c'est grâce aux responsables de la RTB, merci au directeur de la télévision du Burkina, Jean-Emmanuel Ouedraogo, merci au directeur général de la RTB, Pascal Yemoni Tiomeno, et merci au chef du service des sports de la RTB, Jérôme Tendrebengo, et l'ensemble, en tout cas, du personnel. Merci beaucoup, merci à toutes et à toutes et à tous pour tous les efforts fournis. Et bien évidemment, nous sommes là et on va vous faire vivre tout au long de ces 10 étapes. En tout cas, vous verrez donc les arrivées en direct et dans la soirée, sinon dans la nuit, autour de 21h, vous pouvez revoir et revivre les grandes émotions grâce à l'émission Le Vélozine, animée par Christelle Dabré-Paré.
et nos reporters sur le tour, Alain Didier Kopaoré et Alex Zagré. D'un moment à l'autre, on va assister M. Tao à l'arrivée. En tout cas, on va avoir aussi la configuration. Si l'échappée est toujours là, voilà, mais elle s'est fait rattraper. En tout cas, on sera informé d'ici. La dernière configuration, on savait qu'il y avait 1 minute, en tout cas 29 ou 30, en tout cas, d'écart entre le peloton et l'échappée. Pour le moment, qui était à 2 minutes 30 oui, au départ. C'est ça. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Mais nos reporters viendront nous donner donc les informations nécessaires par rapport à cet emballage final. Voilà, ok. On attend incessamment l'arrivée finale de cette étape. Bobo du Lasso des Dougou. Et on verra qui va remporter cette étape et qui sera le nouveau maillot jaune, ou le maillot jaune sera sur les épaules toujours du Belge. Alors, M. Tao, et Paul Domo dans tout ça, Paul Domo, celui-là même qui est le leader de l'équipe nationale de Burkina, il a eu des pépins, en tout cas techniques, lors du parcours Bamfora Bobo Glasso. Il a eu quatre crevaisons à lui seul. Et ce matin, vous l'avez vu sans doute, quel est l'état d'esprit du garçon? Est-ce qu'il est bien moralement, ou comment vous l'avez senti ce matin? Bon, ce matin, je l'ai vu, c'est un garçon qui de nature est jovial, un garçon qui met de l'ambiance au sein de sa formation. Et bien, comme vous l'avez dit, Paul Domo a un peu souffert des nombreuses pannes qu'il a subies. Alors qu'on voit le tapis du stade régional de Dougou. Exactement. Le stade régional de Dougou, en tout cas, qui a été inauguré en 2015 à l'occasion donc des festivités du 11 décembre. Voilà, tout à fait. Un joyau, mais malheureusement, qui n'est pas actuellement exploité puisque la pelouse n'est pas praticable. Ça a été dégradé, donc c'est pas praticable. Le ministre des Loisirs. Voilà, le ministre des Sports et des Loisirs qui est bel et bien là pour cette arrivée de Dougou. Et donc on parlait de Paul Domo. Oui, donc je disais que après j'aurai suivi les effets des pannes, je crois que Paul Domo est un peu sûrement inquiété par effectivement la fatigue. Donc sûrement il est en train de récupérer tout doucement pour rebondir. Sinon, du point de vue moral, je crois que son moral n'est pas atteint, puisque c'est un baroudeur maintenant, après avoir quand même participé à de nombreux tours, Tour du Bénin, Tour du Cameroun, Chantal Biya et puis le championnat du monde. Donc quand même, c'est un coureur qui a guéri. Et je crois qu'il est en train de récupérer pour rebondir. En tout cas, on espère qu'il va pouvoir rebondir lors de cette étape. En tout cas, Boglasso de Dougou, une étape longue, je le rappelle, de 183 km 200. Voilà, donc ça va être très très disputé entre les coureurs. Et on nous informe également que l'échappée est toujours toujours là et que le peloton continue de poursuivre le fuyard, mais on n'a pas en tout cas la certitude si l'échappée pourra donc arriver à terme, parce que là aussi c'est un autre combat. On n'a pas eu de nouvel écart. Parlons des deux Burkinabés dans cette échappée. Souleymane Kone et Salfou Yerbanga, ce sont deux garçons, deux rouleurs, deux garçons qui ont du souffle. Ils ont des poumons, en tout cas des poumons, ils ont un cœur de cheval, j'ai envie de dire, et ils sont capables d'arriver jusqu'au bout. Oui, il faut dire que par rapport à ces deux coureurs, ce sont deux coureurs costauds. Sur lesquels en tout cas j'ai beaucoup confiance. Yerbanga, c'est un grand rouleur. Donc j'avais dit qu'il peut quand même mener l'effort jusqu'au bout. Et Kone également, c'est un rouleur et en même temps sprinteur. Et je dis qu'en tout cas, s'il échappait bien, je crois que Kone Souleymane pourrait en tout cas faire la différence. Parce que compte tenu de ses qualités de sprinteur, un bon finisseur, il pourra en tout cas, il dira son mot sur la ligne d'arrivée.
René Souleymane. Ce garçon a fini quatrième au tour du Cameroun. Et ce garçon, il est tellement important pour l'équipe nationale du Burkina. Il y a également un garçon comme Bashiru Nikema qui malheureusement, bon, n'est pas dans l'échappée, mais il est dans le peloton. S'il arrivait que la course se termine par un sprint massif, il se pourrait que voilà, il fasse valoir ses jambes de feu. Voilà. Mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Peut-être que l'échappée va arriver à terme. Et là, Kone Souleymane aussi pourra faire parler donc ses qualités de sprinteur. Ben, faut aussi signaler que Paul Domon, dont on parlait tantôt, est le champion national du Burkina Faso en titre. En tout cas, il a fini champion. Et également, il a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, où ça n'a pas été fameux, mais c'était quand même bien de prendre part à cette compétition, puisqu'il a été qualifié, en tout cas, sur le terrain. Il a également fait mouche lors du tour du Cameroun. Même s'il n'a pas terminé, il a fini maillot vert. Rapportant deux étapes, c'est très important. Donc ça veut dire que le Burkina Faso aujourd'hui a des arguments assez solides quand même. Le Burkina regorge de talent. D'accord. Oui. Et même dans les deux autres équipes régionales, il y a des jeunes qui sont des baroudeurs. Ils demandent à être formés un peu plus. Et je crois que ce sont eux qui vont faire le boulot, qui vont abattre le boulot. Le gros boulot du tout du Faso pour les leaders. Il suffit d'avoir confiance à eux et je crois que à dire. D'accord, ben, monsieur Tao, vous avez été directeur technique national. Comment se fait la sélection des cyclistes au Burkina? Parce que ça, c'est une question un peu tabou parfois. Les gens ne nous disent pas vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas trop comment on sélectionne les cyclistes. Et puis, ben, tout d'un coup, on nous dit on a pris 18 garçons qui vont représenter le Burkina, répartis dans 3 équipes, mais on ne sait pas trop comment se fait la sélection. Bon, vous savez, dans toute chose, il faut choisir les meilleurs. Et les meilleurs, il y a les cours cyclistes qui nous permettent d'avoir les meilleurs en les notant. Et à la fin de la saison, on regarde, ou en un moment donné, on regarde quels sont les coureurs qui ont plus de points par rapport aux autres. Parce que pour être meilleur, il faut parfois savoir se classer. Mais parallèlement à ça, il faut tenir compte des qualités aussi des coureurs. Il faut tenir compte des rouleurs et des sprinteurs. Parce que ce n'est pas à tout moment que les rouleurs se rentrent dans le classement. Parce qu'ils abattent un boulot pour les sprinteurs. Donc, il faut tenir compte de... Donc, pour une équipe nationale, il faut tenir compte des rouleurs et des sprinteurs ou des coureurs qui ont les deux qualités au même moment pour que cette équipe soit complète. Voilà. Il ne s'agit pas d'être, comment on appelle, clément ou d'être... En tout cas, il faut voir du bon côté, être impartial, être un bon jugement pour faire le classement. Voilà, donc on nous dit que l'écart est en train de se réduire petit à petit. Ils sont à 4 km de l'arrivée de Dedougou. Ça commence à être serré. Mais une question concernant toujours la sélection des équipes. Pourquoi le Burkina Faso n'arrive pas à avoir une équipe autour du Faso? Ça veut dire, est-ce qu'un club burkinabé peut participer autour du Faso par exemple? Trois équipes peuvent participer autour du Faso, oui. Mais il s'agit d'avoir une seule équipe nationale. D'accord. Et ce qu'on fait, les étalons cyclistes. Au fait, c'est une perte pour nous d'organiser un grand tour sans amener les jeunes à participer pour se former. On n'a pas droit à engager trois équipes nationales. C'est une seule équipe nationale. Maintenant, les autres, on peut dire des équipes régionales. Pour permettre justement à ces équipes qu'on met dans les équipes régionales de se confirmer, de s'aguerrir. Voilà. D'accord. Alors qu'on voit donc le motard de la gendarmerie, on sait que ça va être chaud tout de suite sur cette voie. Et ils sont donc à 2,5 km de l'arrivée. Ça va être chaud tout à l'heure, monsieur Tao. Est-ce que vous pensez que ça peut être un sprint massif parce que les cas se réduisent? On parle de 30 secondes. Est-ce qu'ils peuvent arriver cette échappée-là peut en tout cas, arriver s'ils sont à 2 km avec ce temps, le peloton ne pourra plus rattraper, en tout cas, l'échappée. Alors qu'on voit les véhicules continuer d'arriver, de rentrer donc ici à des
Ouagadougou. Et on sait que ça va être très chaud tout à l'heure. Et là aussi, hein, le Burkina a la chance, pourquoi pas, de tenter de remporter l'étape. Ah oui, après, c'est ça, je disais que voilà. J'ai confiance à Koné. D'accord. En tout cas, si... Parce que Yerbanga, lui, n'est pas sprinter. Non, c'est un bon rouleur. Mais s'il protège Koné, je crois que Koné pourra faire le finish. Au sprint. Ouais. En tout cas, on croise les doigts pour... Son rôle ici, c'est de pouvoir effectivement, comme eux-mêmes le disent, financer qu'on est. D'accord. C'est-à-dire le protéger, l'amener. Ce qu'on appelle le poisson pilote. Voilà. C'est-à-dire il tire celui qui va terminer le travail. Après, il lâche. Qu'on est derrière pour d'accord. Se protéger contre le vent. Économiser son énergie et au dernier moment, les 200 derniers mètres, qu'on est maintenant peut surgir et pouvoir aller battre les autres. Voilà. En tout cas, ça commence à être chaud. Nous allons maintenant laisser donc le soin à l'ambiance, aux animateurs de pouvoir nous compter donc l'arrivée finale de ce tour. 800 mètres, debout. La bagarre finale n'est pas encore explosée. On regarde toujours. Le mouchoir plein n'est pas encore agité. Tenez, que la bagarre est intense. Qui sera le plus fort? Deuxième étape, le leader au général. Il est belge, il a 15 secondes d'avance sur le premier Burkinabé qui est cinquième au général, qui s'appelle Ilboudo Haruna. Est-ce qu'il ira chercher? Pourra-t-il aller chercher les 15 secondes qui le séparent du leader au général? Mais quelle étape, quelle tension, quelle attente, quel suspense. Les étalons, les supporters des étalons sont là aux aguets. Ils attendent, ça brille de partout. La Bible est récitée, le Coran également, la Torah également. Des poulets ont été donnés pour permettre à nos garçons d'être les plus forts ce matin. À Dédougou, sauront-ils relever le défi? On ne le sait pas, mais regardez cette ligne. Elle paraît interminable, plus de 3 km. L'entrée du péage jusque devant la tribune officielle, patronnée par M. le ministre des Sports et des Loisirs. De Burkina Faso, mesdames et messieurs, le peuple fier de ce pays-là, vous salue avec cordialité. Et la capitale de la Boucle du Monde, aujourd'hui, s'est transformée en capitale de l'Afrique. Plus de 200 millions de téléspectateurs, la tête, ça y est, les premiers phares, les derniers véhicules officiels sont annoncés. La bagarre va éclater d'un moment à l'autre, tout le monde attend. Le Burkina Faso au classement général, le meilleur des nôtres, il est cinquième, il a 15 secondes de retard. Le leader au général, il vient de Belgique, il s'appelle Wouter Rutger, il vient du pays du plus grand cycliste de tous les temps. Il s'appelle Eddy Merckx, il a gagné 5 fois le Tour de France, 5 fois champion du monde, 3 fois la Flèche Wallonne, 7 fois Liège-Bastogne-Liège, 2 fois Milan-San Remo. Pour parler du palmarès de ce monument, il faut dire qu'il a tout gagné, sauf Paris-Tour qu'il a décidé de laisser à son ami pour le remercier pour sa loyauté. Alors aujourd'hui, si c'est un Belge qui domine le classement général, ce n'est pas une surprise. Les derniers hectomètres, El Hadjir, Thiem Touré 14, le monument de l'animation, il est là depuis la route du Sourou. Il est toujours la fidèle au Sport-Force avec sa barbe légendaire, imité au Gabon. Il est également applaudi au Cameroun, partout en Afrique. C'est notre patron qui est le number one, le meilleur, les sirènes. Il est où le président de la Fédération Burkinabé de cyclisme? Il n'a pas encore allumé son talkie-walkie satellitaire. Le président, le stress souvent peut se transformer en énergie pour accompagner les garçons. On le sait ça, mais est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? On va le savoir, mais en attendant, président Ignace André Bérémoudougou, merci à vous et à toutes vos équipes. L'organisation a à peine commencé, on sent la touche burkinabé. L'organisation cette année encore va passer par le tribunal de la science. Il n'y aura aucune place pour le hasard. La bataille finale c'est maintenant. Monsieur le ministre des Sports, plus de véhicules, c'est terminé. Les motards sont là, ce sont des si annonciateurs de la bagarre finale. La bagarre finale des Dédougou, c'est maintenant. Le gendarme vient de se dresser sur sa machine, debout sur sa moto. Il est en train de traverser l'air, le vent, la sirène qui trouble la quiétude des supporters des étalons. C'est toujours la gendarmerie en tête comme le dirait 14, toujours premier, mais jamais de prix.
C'est ça aussi la caution sécuritaire d'un événement de cette envergure. Attention, ça va à gauche, ça va à droite. Ils sont à moins d'un kilomètre. À moins d'un kilomètre, la gendarmerie qui va ouvrir la voie. Attention, le pick-up de la police nationale du Burkina. Deuxième étape du Tour du Faso. 33e édition. Bobo, Bédougou, pour des moments de légende, des moments d'histoire. Dans quelques instants, la tête, ça y est, ils sont là. Monsieur le ministre des Sports, ils sont là. Nous voyons les hommes de tête, ils sont là. Le peloton aligné, ça va se battre, ça va frotter, ça va accélérer. La bagarre des Dédougou, c'est maintenant qui va gagner l'étape. Là, ils n'ont pas encore attaqué, mais déjà, nous voyons. Koné du Burkina, Souleymane Koné du Burkina, on l'a reconnu. Le Burkinabé, Souleymane Koné. Victoire du Burkina, Souleymane Koné, le Burkina Faso, dans une ambiance de carnaval, dans une ambiance de folie, dans une ambiance de prière, et le Burkina Faso, oh là 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 là, mais quel garçon, le vice-président de la fédération, il est dans tous ses états, le peloton principal qui arrive, victoire Burkinabé, le groupe maillot jaune, c'est maintenant qu'ils arrivent. On va le savoir, les écarts, le maillot jaune, attention, encore le Burkina, le maillot jaune, et la Côte d'Ivoire. Oh, quelle étape, quand vous parlez du cœur d'un Burkinabé, le cœur d'un Burkinabé, ça peut faire trembler n'importe quelle montagne. Il ne faut pas le fâcher, un Burkinabé. Il ne faut jamais énerver un Burkinabé. Quand tu énerves un Burkinabé. Alors, monsieur Tao, nous venons d'assister donc à l'arrivée de cette deuxième étape du Tour cycliste international du Faso avec la victoire du Burkinabé. Souleymane Koné, ce garçon, vous l'aviez dit, il a les jambes de feu, il est capable de faire la différence. Et là, il vient de faire la différence. Monsieur Tao, ce garçon, il est merveilleux tout simplement. Oui, comme je l'ai dit, c'est un coureur qui a les deux qualités. C'est un rouleur. Un fin rouleur, un fin sprinter. Et puis il a eu la chance ce matin d'être avec un très bon rouleur, à la personne de Yarbanga, qu'il savait qu'il allait abattre le boulot pour lui. Et vous avez vu, je crois qu'il a protégé jusqu'au but. Il s'est défoncé pour quand même mettre à l'abri de l'effort Souleymane Koné, qui a su surgir au dernier moment pour sprinter et gagner l'étape finale. Alors, quelle étape? Parce que là, 183 km 200, mais c'est énorme comme distance. Mais les cyclistes, en tout cas, ils sont habitués à cela, on va dire. Mais c'était très long, c'était épuisant. Et l'échappé également qui a réussi à aller jusqu'au bout, c'était pas si évident parce qu'on savait qu'ils ont déclenché très tôt cette échappée-là. Mais ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Oui, c'est exact. C'est vraiment une échappée qui est partie matinalement, je crois qu'après le premier point chaud. Donc ça veut dire qu'il y avait de la distance à faire. Mais ils ont su gérer cette fameuse distance, ils ont su gérer l'effort et ils ont pu résister à la poursuite du peloton et des contre-attaquants. Et je crois qu'ils ont réglé le peloton au sprint final à l'arrivée. Donc vraiment bravo à cette échappée de cette deuxième étape du Tour du Faso. En tout cas, on voit donc les tout derniers cyclistes qui sont en train d'arriver ici donc devant le bâtiment administratif de Dédougou pour cette deuxième étape du Tour cycliste international du Faso. Vous ne verrez pas ces images ailleurs, c'est simplement sur la RTB, la télévision au cœur des grands événements qui a tenu donc à vous faire vivre ce spectacle, à vous faire vivre ces émotions. En tout cas, ça fait plaisir de voir le Burkinabé Souleymane Koné arriver en tête de cette deuxième étape. Ça fait plaisir. Ah oui. Est-ce que le maillot jaune est menacé? Oui, nous, on va essayer de voir puisque ça dépend de l'écart mis entre l'échappé et le peloton qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Mais je crois même si le maillot jaune n'est pas menacé, en tout cas, l'écart sera considérablement réduit. Mais je crois que, en tout cas,
On va voir les calculs. On va voir parce que le premier a déjà 10 secondes. D'accord. En moins. Et on verra maintenant l'écart qu'il y a entre l'arrivée de l'échappé et l'arrivée du groupe maillot jaune. Il faut souligner que Souleymane Kone, lui, était à 51 secondes. Hein, 51 secondes donc du maillot jaune. Et vu la distance entre le groupe maillot jaune et l'échappé, c'est pas trop évident. C'est vrai qu'il y a quand même des bonifications au niveau donc des sprints intermédiaires où Souleymane Kone est venu donc troisième lors du sprint de Kosso. Il est venu troisième. Peut-être qu'il peut avoir quelques points, mais c'est pas, ça ne sera pas peut-être suffisant pour pouvoir prendre le maillot jaune, mais c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon, d'autant plus qu'il aura, en tout cas, s'il ne prend pas le maillot jaune, il aura comblé son grand retard d'hier sur le boulevard de la Révolution à Bobo. Et comme je dis, on va attendre de voir l'écart entre l'arrivée et le groupe maillot jaune. À l'arrière, il était dans le peloton. En tout cas, nous attendons donc d'avoir avec nous Souleymane Kone qui va venir vers nous tout de suite pour qu'on puisse l'arracher déjà quelques mots. Il va nous dire à chaud comment est-ce qu'il a réussi donc à frapper ce grand coup ici à Dédougou. Et pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que aussi ce matin, on a assisté à une chute hein, lors de cette deuxième étape. C'était bien avant le premier sprint intermédiaire où il y a eu une chute sans gravité. Voilà où tous les cyclistes ont pu donc poursuivre cette course. Et aussi, il faut aussi peut-être signaler que les 80 coureurs qui ont pris le départ, en tout cas jusqu'à présent, ils sont en train d'arriver petit à petit. Ici, donc, devant le bâtiment administratif de Dédougou, la ville de Dédougou, la cité donc du Bankui. Et les Ivoiriens aussi qui sont aussi dans le coup parce qu'on a vu Abou Sanogo tout de suite avec le maillot jaune en train de disputer la ligne d'arrivée. Abou Sanogo qui lui aussi est à 51 secondes. Voilà, seconde du maillot jaune. C'est toujours serré. Il y a aussi le Camerounais Clovis Abessolo qui lui aussi espère quelque chose, même si ce matin il a eu quand même chaud puisque il a eu une crevaison ce matin. C'était pas très facile pour lui, mais en tout cas c'est pas facile. Alors que nous avons l'arrivée provisoire. Voilà, l'arrivée provisoire avec Souleymane Kone du Burkina Faso qui arrive en tête de cette deuxième étape de Tour cycliste international du Faso, suivi de l'Algérien Yacine Hamza et troisième Jordi Schlotis de la Hollande qui arrive troisième et donc ça fait le trio. Ouais, il faut dire que Hamza Yacine, l'Algérien, est à 45 secondes du maillot jaune. Et Souleymane Kone, lui, il est à 51 minutes. Donc ça veut dire que Hamza a déjà une avance par rapport à Kone de 6 secondes. D'accord. Mais là, mais avec la première place de Kone, il aura quand même grioté 10 secondes en moins. Peut-être renforcer son capital temps au classement général. D'accord. Voilà. Donc on peut dire que Kone ne sera pas maillot jaune, mais toujours est-il qu'il se rapproche quand même. Voilà, il réduit l'écart entre lui et le maillot jaune. Voilà. D'accord. Et il se pourrait que Hamza Yacine porte le maillot jaune, c'est possible. C'est possible. Donc, c'est possible. D'accord. C'est possible. D'accord. Mais comme je dis, on va tenter de voir l'écart entre effectivement l'arrivée de l'échappée et du peloton. Si c'est plus de 50 secondes, bon, je crois que le maillot risque d'être toujours sur le bras du. Sur les épaules du Belge Rudger Wouters, en tout cas qui n'entend pas. Donc, le maillot jaune est menacé. Est menacé, voilà. Et actuellement, ce sont les calculs, hein, des calculs pour pouvoir départager donc ces coureurs qui sont arrivés d'abord grâce à l'échappée.
qui a tout fait pour arriver à terme avec la victoire de Souleymane Kone de Burkina Faso, suivi donc de Yassine Hamza de l'Algérie et Georgie Sluchiz de la Hollande qui est troisième. Et cela voudrait dire que le mano à mano en tout cas se poursuit et l'Algérie qui ne lâche pas d'une semelle le Burkina Faso. C'est comme au football, c'est une digression mais il faut que je le dise parce que dans quelques deux semaines ça va être chaud du côté de Alger entre les Fenech d'Algérie et les États de Burkina Faso pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et ça sera la finale entre Burkinabé et Algériens. Et sur le Tour du Faso, il y a également un mano à mano entre Burkinabé et Algériens. Et c'est déjà chaud parce que là, en tout cas, il ne faudrait pas laisser une petite chance aux Algériens. Il faut les acculer. Et je pense que ça va être chaud, même si Hamza arrive à récupérer le maillot jaune, Souleymane Kone ou Il Boudo vont tout faire pour pouvoir rester collé. Il faut signaler que là, Kone va comment dirais-je, renforcer son capital point. Oui, pour le maillot vert, il va se positionner pour le maillot vert déjà. Parce qu'en étant premier, forcément, avec son classement en point hier, je crois qu'il va renforcer son capital point également par rapport au maillot. En tout cas, Souleymane Kone qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour nous dire un peu ses impressions par rapport donc à cette deuxième étape couru entre Bobo Gulasso et Dedougou, une étape longue de 183 km 200. Et Souleymane Kone qui est avec nous. Souleymane Kone, quelle course Kone. C'était une course, en tout cas on le savait, ça allait être très difficile et on le disait également, cette course n'allait pas être facile pour tous les cyclistes mais aussi pour les Burkinabés qui ont connu en tout cas des difficultés il y a deux ans sur ce même trajet. Et Souleymane, dis-nous un peu, comment est-ce que tu as pu en tout cas arracher cette victoire-là ici à Dedougou? Vraiment, je suis vraiment content avec tous les journalistes et toute la fédération, avec le ministère. Hier, on failli décourager, mais avec la paix, on n'est pas découragé. Et nous-mêmes, on compte pour pouvoir tenir ce qu'on joue sur le rôle, c'est maillot jaune. On a quitté Bobo Dedougou. Nous-mêmes, on a bien dormi avec le bon conseil. Vous êtes bien reposé. Oui, avec les bons conseils. Et vraiment, on a été content là-dedans. D'accord. Alors, vous avez réussi à aller dans l'échappée. Alors, comment vous avez réussi à faire cette échappée-là? Parce qu'on sait que à Bécuy, le sprint de Bécuy avait une échappée qui a été annulée. Et puis après, vous êtes reparti dans l'échappée. Expliquez-nous un peu comment vous aviez fait et comment vous avez réussi à maintenir l'écart jusqu'à l'arrivée. Oui, on dit souvent, c'est la travail, ça paye. D'accord. On a été content. Pour la première échappée, il y a eu Aruna devant jusqu'à la fin de sprint. Ils ont discuté là-bas jusqu'à nous aussi, on a essayé de tenter et ça a été marché. D'accord. Et on est resté à concentrer et j'étais avec une leader, Yerbanga Salif. Quel a été son rôle, Yerbanga Salif? Est-ce qu'il t'a aidé? Bien sûr, j'ai été content avec son rôle. Et parce qu'il a joué facile, c'est un leader. Et il comptait sur moi aussi pour l'étape. Et j'ai été content aussi parce qu'il a bien bossé sur la Ambrousse. Et à la fin, il comptait sur moi aussi. Et j'ai été montré aussi que je peux lui donner sa morale, ce qu'il a gâté en brousse. J'étais content, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci Souleymane Kone. Quel garçon, il est humble ce garçon, il est humble. Il est jeune également, il est talentueux. Félicitations à toi et bonne chance pour la suite. Merci. On sait qu'il reste encore beaucoup, il reste encore 8 étapes. En tout cas, bonne chance pour la suite. Et le peuple burkinabé est fier de vous. Ouais. Sachez-le, le peuple est fier de vous. Et sachez que le maillot jaune, au soir du 7 novembre, c'est l'objectif recherché par le Burkina Faso. Ouais. Merci et bon repos à vous. Merci, et merci. On se donne rendez-vous pour l'étape de Dedougou et Koudougou. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, ce qu'il dit n'est pas loin de ce que vous aviez dit. Il est parti avec Salifou Yerbanga. Et Yerbanga est un leader. Il a réussi à le protéger. Il a réussi à l'amener dans sa roue. Et finalement, Yerbanga aussi avait confiance en lui. Et il lui a dit, jeune homme, vas-y, c'est pour toi. Et il est parti, il a gagné. Voilà, comme je l'ai dit, Yerbanga a fait son boulot. Ça, c'est l'esprit d'un coéquipier. Et au finish, elle a laissé effectivement son coéquipier faire le boulot qui a réussi.
Donc c'est pour vous dire, franchement, ils ont travaillé dans un esprit d'équipe. Voilà. Comme vous l'avez dit, la première échappée n'a pas abouti. Et effectivement, ils ont essayé pour la deuxième échappée, qui a tenu longtemps, qui a persévéré et qui a effectivement terminé l'étape. Et effectivement, a surgi à la personne de Koné Souleymane des Stalons Cyclistes, qui a effectivement gagné. Bien sûr, qui a travaillé en tandem avec Yarbanga, son coéquipier de l'équipe nationale. En tout cas, on va dire que le peloton a quitté donc Bobo Guilasso ce matin autour de 8h27 pour le départ réel et est arrivé donc ici à Dédougou. Et on peut vous dire que le tamis est de 4 minutes 34 secondes et la vitesse moyenne est de 44,944 km/h. C'est énorme pour une distance aussi longue. Ils ont réussi donc à dépasser donc la vitesse moyenne de l'étape Banfora Bobo Guilasso. Oui, c'est exact. Vous avez vu, hier, c'était une vitesse moyenne de 43 km/h pour une distance de 125 km, donc moindre par rapport à l'étape d'aujourd'hui, qui était effectivement longue. Et il y avait plus de chaleur, bien sûr, parce qu'on ressent quand même de la chaleur et de fatigue. Et on constate que la vitesse a été augmentée. Donc c'est pour vous dire que les jours à venir, les étapes à venir, ça promet encore la montée en puissance des coureurs cyclistes. Dans la... Ça veut dire tout simplement que le niveau, il est bon. Ah oui, le niveau est bon autour, de façon, il faut le dire. Parce que quand on voit même la configuration des équipes participantes présentes, on sent que le niveau est bon. Et cela va se ressentir dans la réalisation des vitesses, de vitesses horaires. L'Algérie avec Hamza Yassine. L'Algérie qui est une équipe qui, chaque fois quand elle vient autour du Faso, elle joue son rôle, elle anime la course, elle anime vraiment le Tour du Faso. Et cette année encore, elle ne va pas déroger à la règle. L'Algérie qui est bel et bien présente pour jouer un rôle majeur dans cette 33e édition du Tour du Faso. Oui, l'Algérie, comme on l'a dit, c'est un habitué du Tour du Faso. Effectivement, l'Algérie elle est encore pour marquer son empreinte sur le Tour du Faso 2021. Et ça se sent depuis, parce que hier à la première étape, ils ont montré leur capacité à s'imposer dans le peloton. Vous avez vu qu'aujourd'hui encore, ils sont dans l'échappée. Donc l'Algérie, en tout cas, est venue pour dominer le Tour du Faso 2021. D'accord, en tout cas... Ici à Dédougou, tout est bien, qui finit bien, lentement mais sûrement. Les choses sont en train d'aller vers leur fin et je pense que voilà, d'un moment à l'autre, on va procéder aux différentes remises de maillots. Et pour le moment, le suspense est total. Puisque le maillot jaune, jusqu'à présent, la commission technique, calculs, voilà, et la commission est en train de faire les calculs pour nous désigner donc le maillot jaune. Le maillot va-t-il rester sur les épaules du Belge Wout Rutgers ou le maillot va-t-il changer, en tout cas, d'épaule? On ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout état de fait, si l'écart entre l'échappé et le peloton dépasse en tout cas les 50 secondes, en tout cas, le Belge perd déjà son maillot. Ah, le Belge, ah d'accord, d'accord. De toutes les parce façons, que oui. Il a 51 secondes d'avance sur les autres et 45 secondes. Hein, sur l'Algérien Hamza, qui est le numéro 113. Voilà, donc Koné Souleymane hein, qui va être présenté au grand public et être publicité de toutes les façons. Voilà, ce garçon, il est talentueux parce que ouais, il est très dangereux également. Quand vous le voyez, il n'est pas assez grand, mais il est très, comme vous l'aviez dit, c'est un félin.
Il est rusé. Rusé. Voilà, intelligent. Même au niveau national, il gagne les autres coureurs concurrents par sa ruse. Ah oui. Il se fait oublier dans le peloton. Oui, tapis dans l'ombre. Voilà. Ouais. Et on rappelle celui qui a gagné la dernière course Grand Prix Excellence à Ouarai. Les médias sont oui, effectivement, effectivement c'est le vainqueur du Grand Prix Excellence que quand même, sur le boulevard Charles de Gaulle. Exactement. Voilà. À une semaine du Tour du Faso. À une semaine. Oui, effectivement. Voilà. Et là, également, il y a eu un sprint serré entre trois prétendants. Voilà. Il a fallu la photo finish pour les départager. Et il a réussi donc à s'imposer. C'est prometteur pour le Burkina Faso. En tout cas, il a de belles promesses au niveau du Burkina. Il y a des garçons qui sont talentueux. Et je pense que dans les années à venir, le Burkina peut compter sur ce vivier-là. Et félicitations à l'ensemble des formateurs, à l'ensemble des encadreurs qui chaque fois arrivent à nous dénicher des grands talents. Parce que le Burkina Faso a connu des grands talents tels que Abdul Wahab Sawadogo, Jérémy Ouédraogo, Ernest Zongo, voilà. Romba Seydou. Romba Seydou. Tal. Ouédraogo. Voilà. Tal. Tal Seydou. Seydou. Rasmane Ouédraogo. Amidou Yameogo. Il y a eu de grands talents. Mm-hmm. Mais chaque fois, on a réussi à aller chercher d'autres talents pour pouvoir remplacer ces talents qui sont vieillissants. Voilà, et félicitations à eux. Aziz Nikema. Seydou Bamogo. Et bien entendu, Mathias Sorgo. Ils sont vers la sortie. Mais c'est sûr qu'il y a du vivier. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Pour les remplacer. Il y a des jeunes. En tout cas, il y a la relève. Relève est assurée. D'accord. Okay, oh, d'accord. En tout cas, on espérait pouvoir voir ne serait-ce que la remise du vainqueur de l'étape 2 de cette 33e Tour cycliste international du Faso. Mais malheureusement, on ne verra pas parce que le temps qui nous est imparti est à terme. Et nous allons donc rendre l'antenne et dire merci à l'ensemble de l'équipe technique pilote de maître et maître par Banao Moumouni, le réalisateur, et aussi merci à l'ensemble des techniciens. Oui, voilà, on me fait signe qu'on peut encore poursuivre un peu. Voilà, et merci beaucoup Moumouni Banao, merci, parce qu'on a besoin aussi de voir les remises de quelques maillots. C'est très important, surtout qu'il y a du suspense. Il y a du suspense. Voilà, au niveau du maillot jaune. Voilà. On veut rassurer. Tout à fait. Alors que remise de maillot pour les femmes, les dames, qui ont couru donc ce matin. Voilà. Et quand on parle de feuilles, c'est pas les feuilles de Nimier ni de Manguier, mais les feuilles qui ont de la valeur. C'est pas l'équivalent du salaire d'un animateur. On parle des vraies feuilles. C'est que nous ne gagnons pas. Voilà. Ça fout la donc. Alors, monsieur. En tout cas, c'est vraiment chaud. Alors qu'on voit aussi que l'équipe de drone est à pied d'œuvre pour nous offrir des images aériennes assez propres. Et ça fait plaisir. Et vous entendez en fond sonore certainement. Voilà. Un million de francs CFA. Donc, qui commence. Voilà, les enveloppes commencent à pleuvoir. Le président de la fédération burkinabé de cyclisme qui avait promis donc d'offrir 1 million de francs CFA si les Burkinabés remportent l'étape de Dédougou, et les garçons ont remporté l'étape de Dédougou et ils ont 1 million en poche. Et c'est pas fini, il y a aussi 2 autres millions que le président de la fédération offre donc à l'équipe de Burkina. Ça fait plaisir et c'est motivant. Oui, c'est motivant. Et je crois qu'en ce moment, les talents cyclistes seront gonflés à bloc. Vaille que vaille. Pour en tout cas remporter des victoires d'étape. Et effectivement, conforter leur classement général. Et enfin de pouvoir remporter le maillot jaune, quelle que soit l'étape. Soit en tout cas du 7 novembre. En tout cas, on aimerait voir le maillot jaune sur l'épaule d'un étalon cycliste pour cette édition 2021. Et je crois qu'actuellement, les étalons cyclistes sont en train d'être motivés très sérieusement. Ils sont en train d'être gonflés à bloc. Et on espère que
cela produira des résultats positifs. Est-ce que la stratégie peut changer en cours de route? Est-ce qu'au départ, on a dit, bon, nous allons travailler pour notre leader qui est Paul Domon? À l'issue des deux étapes, est-ce qu'on peut changer la stratégie? Est-ce qu'on peut se dire, notre leader peut-être n'est pas bien placé et qu'il va falloir changer de stratégie parce que celui qui est bien placé, même si il n'est pas le leader officiel, peut-être aller jusqu'au bout? Ça peut changer? Oui, parce que là, il faut défendre le maillot. Il faut le défendre. Parce que quand vous avez le maillot jaune qui n'est pas le leader qui le porte pas, il faut effectivement le protéger, quel que soit le coureur cycliste. Voilà. Maintenant, le leader, on essaiera aussi d'améliorer leur classement aussi. Parce que le porteur de maillot peut le perdre d'un moment à l'autre. Donc il faudrait que certains coureurs se rapprochent du maillot jaune. Au cas où, en tout cas, s'il y a un coureur cycliste burkinabé qui a le maillot et qui le perd, que le poursuivant direct le récupère. C'est ça aussi la stratégie. Il ne faudrait pas qu'un coureur cycliste ait le maillot jaune et il est à l'avant et que les autres traînent. En ce moment, ça va être très difficile de le récupérer. Mais si vous vous positionnez par rapport au classement général, autant. Et c'est plus facile de gérer le maillot jaune. D'accord, en tout cas, on l'aura compris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir positionner beaucoup de Burkinabés. Et à force de les positionner, et même si celui qui porte le maillot jaune le perd, automatiquement, il y a un autre Burkinabé qui peut le récupérer. En tout cas, on espère que tout peut arriver. Le leader peut avoir une chute ou une panne qui va le retarder énormément. Ou même question de santé. Voilà, en ce moment, ce sont les autres. Ça va être difficile. Mais si ça revient rapidement sur, en tout cas, sur un étalon ou un Burkinabé, c'est plus facile à le gérer encore. En tout cas, alors qu'on voit les filles, on peut revoir les images de cette arrivée-là. Ça, c'est le sprint massif du groupe Maillot Jaune avec Rutger Wunters qui ne s'est pas laissé faire parce que lui aussi, il est en train de montrer qu'il a des jambes de feu et qu'il est capable de rivaliser. Parce que hier, c'est au sprint qu'il est rentré voilà, à Bobo. Voilà. Donc, il est capable aussi de réaliser des exploits en sprint. Exactement. Voilà. C'est très important. Mais ils ont dit, quand vous l'avez interviewé hier, il a dit quelque chose. Au fait qu'ils ne sont pas là pour le maillot jaune, oui, mais pour gagner des étapes. C'est pour se faire des plaisirs autour. Tout à fait. Donc leur objectif, c'est pas, leur objectif premier n'est pas de remporter. Tout à fait. Mais c'est pour se faire plaisir autour. Voilà, en remportant des étapes. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, Mais ils ne vont pas aussi cracher sur le maillot jaune, bien sûr. Parce que, comme je dis, chacun essaie de d'écrire son nom sur le palmarès du Tour du Faso. Si le maillot jaune, en tout cas, s'offre à la Belgique ne va pas cracher sur ce maillot-là. Oui. Parce que, comme on l'a rappelé, la Belgique a déjà remporté, le maillot jaune par deux fois. Et voilà. Donc, ils ne vont pas cracher sur un troisième maillot jaune. Voilà, donc c'est assez quand même modeste de le dire. Hein, c'est que vous voyez, on ne leur rend pas forcément le maillot. Ouais, on est venu pour se faire plaisir. Voilà. Mais derrière la tête, le maillot jaune. Voilà. Alors qu'on revoit les images de Souleymane Kone qui a été porté en triomphe par le public sportif de Dédougou. Un public très fier de la victoire, en tout cas, de Souleymane Kone. Et c'est comme ça qu'on aimerait voir les étalons cyclistes. Quand ils se battent, ça fait plaisir aux Burkinabés, surtout par ces temps qui courent. Il est bon que les étalons essaient vraiment de gagner des victoires pour donner un peu de baume, pour mettre un peu de baume au cœur des Burkinabés qui sont en difficulté. Et nous avons comme ça une pensée pour tous les déplacés internes. Nous avons une pensée pour les FTS qui sont sur le front, qui nous protègent et qui nous permettent aujourd'hui courir sur le Tour du Faso. Un travail formidable de sécurité sur le trajet, sur le circuit du Tour du Faso. Vraiment, ils sont franchement encouragés à féliciter. Parce que n'eût été leurs efforts, on n'allait pas pouvoir commencer ce Tour du Faso 2021. En tout cas, on a les derniers coureurs qui vont arriver, les derniers coureurs, parce que c'était pas facile. Aïe. C'est pas facile parce que 183 km de ça, c'est pas du tout simple. Alors qu'on les voit, le cabalet est juste derrière. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment les derniers. Le plus important, c'est espérons qu'ils ne seront pas hors du lait. Voilà.
Espérons qu'ils ne seront pas hors de l'air. Généralement, c'est 25% du temps du premier. Ok. Je crois qu'ils sont quand même dans le délai. Ils sont dans le délai, ouais. Le Mali et le Burkina. Voilà. Un coureur de l'équipe, je ne sais pas trop, régionale, voilà, qui se retrouve en dernière position. Donc ça veut dire que tous les coureurs sont arrivés. Tous les coureurs sont arrivés. Parce que le camp allait vide, hein, je vois. Voilà, avec l'ambulance. Voilà, avec l'ambulance. L'ambulance qu'on voit passer. Et on voit les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui passent aussi. Voilà. Et voilà, et il faut les saluer, il faut saluer vraiment leur travail. Merci. Le travail remarquable sur les routes du Burkina pour permettre au tour de se passer, en tout cas dans la sécurité, dans la paix. Et c'est tout le souhait, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas pour l'équipe du Burkina. Et pour le moment, on attend de voir si le maillot jaune va changer d'épaule ou le maillot jaune va rester sur les épaules du Belge Rutger Wouters. En tout cas, on ne le sait pas pour le moment. Mais le 73 a été premier au deuxième point, ça veut dire qu'il a 3 secondes. Il a des bonifications. Déjà, voilà, déjà 3 secondes. Voilà l'Algérien, Hamza Yassine. Les alertes à égalité. Peut-être de temps avec l'Algérien, parce que Koné ayant été premier, il a 10 secondes à moins, donc ça veut dire qu'il a, il va rattraper ses 4 secondes sur effectivement Hamza, qui aura une seule seconde d'avance maintenant sur Koné. Mais là, je crois qu'on revient à sa hauteur avec le même temps. Parce qu'on est aussi a grignoté en tout cas une ou deux secondes à un point chaud. Alors qu'on revoit le sprint, voilà, de Koné, oui. Parce que Hamza a 5 secondes d'avance, 5 secondes à moins par rapport à Koné. Oui, tout à fait. 45 et 51. D'accord. Donc Koné ayant remporté l'étape, il a 10 secondes de plus. Et Hamza a fait deuxième, il a peut-être 6 secondes. D'accord. Donc ça veut dire que Koné a déjà rattrapé 4 secondes. Oui, oui. Plus la seconde qu'il y a eu au troisième classement, au deuxième point, ça fait 5 secondes. Donc il compte son temps avec Hamza. Oui, tout à fait. Si Hamza n'avait pas pris le point chaud. Oui, oui. Oui, donc, tout à fait. Hamza remet 3 secondes sur Koné. Voilà. Maintenant, je crois que ça va être l'Algérien, le Belge. Quand il se réveille le matin avant, il verra bien s'il perd son maillot ou il garde sur ses épaules. Tout à fait. Tout à fait. Alors que ça tarde pour la cérémonie de remise des maillots. Certainement que c'est chaud au niveau de la commission technique qui essaie vraiment de départager. Il faut tenir compte des bonifications des sprints intermédiaires. Tout à fait. Et puis des bonifications effectivement du classement à l'arrivée. Voilà. Voilà tout ça. En tout cas, on attend toujours pour voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Merci. Et véritablement se situer, parce que tout le monde est accroché, on va pas dire aux lèvres, aux lèvres de la commission technique. Ouais. Il devra donc décider et départager donc les coureurs. Et c'est maintenant que les différents états-majors vont essayer de mettre en place les différentes tactiques, parce que plus on avance, plus maintenant ça devient très difficile, plus les calculs deviennent très compliqués. La stratégie de chaque équipe maintenant va s'adapter par rapport au classement général, au temps et par point. Donc c'est là où on verra les bons entraîneurs, les bons directeurs sportifs qui ont de la stratégie à la matière. Et aussi, est-ce qu'on peut remodeler aussi ou revoir ses objectifs en fonction du classement général? Non. L'objectif, c'est de poursuivre et de pouvoir se rapprocher du maillot jaune le plus près possible et de mettre le maximum du prétendant. Et si possible, de récupérer. Très rapidement. Sinon, si on laisse ça plus tard, ça devient compliqué. Ouais.
Parce que nous avons une bête noire qui est à l'avant, la course contre l'on la montre, où généralement on perd. Alors dites-moi pourquoi est-ce que le Burkina n'est pas bien, on n'est pas bon, ou les coureurs burkinabés ne sont pas, en tout cas, très doués dans cette épreuve de la course contre la montre. On l'a vu lors de la 32e édition sur Charles de Gaulle. Les Burkinabés étaient en difficulté et ça, d'ailleurs ça pesait un peu au niveau du maillot jaune. Non, il faut dire que par toutes les occasions on a eu à mettre les courses contre la montre autour du Faso, on les perd systématiquement, même au début des tours. Ouais. Et il faut dire que c'est notre point faible, la course contre la montre. Malheureusement, on ne fait pas un effort pour effectivement rattraper le handicap par rapport à la course contre la montre. Au Burkina Faso, nous faisons du cyclisme, nous pédalons sans avoir pédalé. Au fait, dans le pédalage, il y a quatre phases. Il y a quatre phases de pédalage que nous ne distinguons pas, que nous ne respectons pas. D'accord. Seul à l'école de cyclisme qu'on peut effectivement sentir ça très tôt et travailler. Il y a quatre phases. D'accord. Malheureusement, nous pédalons sans connaître. C'est quatre phases. Ok. Voilà le problème. Donc c'est un peu ce que nous on fait, c'est pas trop professionnel, ce qu'on fait. Non, je crois qu'il faut que on repart au niveau de la relève des écoles de cyclisme. Pour créer des écoles, d'accord. On a annoncé l'école. Parce que nous prenons des jeunes à l'âge de 14 ans, 15 ans. On ne peut plus les modeler, d'accord. Ils sont déjà un peu adultes. Trop raides, ouais. Oui, des jeunes. Ah, l'école de cyclisme, vous savez, sont des enfants. À partir de là, on peut les faire apprendre des techniques de base et qui vont effectivement les développer. Par la suite, ça devient un automatisme. Mais nous prenons des jeunes qui sont déjà présagés. C'est pour cela, quand ils brillent, c'est pour tout juste un moment de feu de paille, deux saisons, trois, on n'entend plus parler d'eux. Or, quand vous commencez par l'école de cyclisme, en tout cas, vous avez au minimum 5 ans, vous êtes au top. Les premiers élèves de l'école de cyclisme ont été les Yamayo Karim, okay. L'entraîneur national oui, de temps, oui. Sanfo. Oui. Zongo Laurent, oui. Oui, même Zakaria faisait partie, mais oui. Il a décroché. Oui. Mais vous avez vu qu'ils ont duré. Ils ont duré. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, on me fait signe que maintenant, le temps qui nous est imparti est terminé. Nous allons dire merci à vous, monsieur Boubacar Tao. Merci pour vos éclairages, très, très importants pour nous et pour nos téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous dit au revoir. On se retrouve, en tout cas, demain. Demain, c'est l'étape Dédougou-Koudougou. Dédougou-Koudougou, c'est une étape longue, en tout cas, de 141 800 km et on espère se retrouver en direct en tout cas pour vous faire vivre les grandes émotions du Tour cycliste international du Faso. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, bye bye. Merci. Écouter la radio, c'est bien, mais du slam, c'est encore mieux. On t'incarcère, on te condamne pour un je t'aime, on te détruit et au sortir de ta peine, tu te rends compte que ça n'en valait pas la peine. Slam Alive 2021, attention, la finale, c'est pour le samedi 30 octobre 2021 à partir de 16h, en direct sur Canal Arc-en-Ciel. Salut tout le monde, je suis Authentique, lauréate Slam Alive 2020. Sortez massivement le samedi 30 octobre au Musée National. Slam Alive, the game is over. Sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Rockman Christian Kabore, vivez la 33e édition du Tour du Faso du 29 octobre au 7 novembre 2021. Après une année d'interruption due au Covid-19, la légendaire course cycliste est de retour. Le Tour du Faso, c'est 10 jours de compétition avec 16 équipes d'Afrique et d'Europe. Une centaine de coureurs, 1233 km de course dans la chaleur africaine et l'hospitalité du pays des hommes intègres. La fête de la petite...